tu as un site qui a été beaucoup utilisé pour la production de la chaux. Donc il y a eu ça, il y a eu donc un passé plus industriel, il y a eu il me semble, un passé de pastoralisme et puis de culture sèche sur terrasse. Les Calanques, c'est une vieille histoire, hein, et la création du parc national n'est que la résultante de cette vieille histoire, parce que de tout temps on a voulu protéger ces Calanques, et de tout temps les hommes ont habité ces Calanques, ils y ont travaillé, ils en ont tiré profit. Il y avait une économie dans ces Calanques, et à un moment donné l'économie a été trop envahissante, notamment en 1910 à Port-Mioux, où il y a eu un événement important puisque des gens se sont mobilisés contre l'exploitation de la carrière. Et donc, évidemment, ça a été les premiers combats engagés par les excursionnistes marseillais, le club alpin français et d'autres qui se sont ensuite battus sur d'autres sujets tout au long du XXe siècle finalement. Et à la fin du XXe siècle, en 1998, à la suite d'un incendie, on a décidé, les collectivités et les propriétaires terriens, de réfléchir à la façon de protéger cet espace. Et donc est née l'idée du parc national en 2001 à travers un GIP, puis on a mis 12 ans pour le créer. Et donc c'est évidemment des passionnés qui ont débattu, se sont concertés, qui se sont parfois battus, entre guillemets, pour pouvoir faire avancer certaines idées, à la fois sur la protection de la nature, sur la valorisation de la biodiversité, et en même temps sur la préservation des traditions et des usages dans les Calanques. Et c'est ainsi qu'on a créé un parc national en 2012 et qu'il fonctionne maintenant depuis 5 ans. Nos activités, de répondre à certaines attentes, on est en relation avec le Parc national des Calanques, avec qui ça n'a pas été évident dans un premier temps, puisque on a été, je pense, au départ un peu pointé du doigt, vu comme un peu des consommateurs de ce terrain de jeu, de ce milieu naturel. On a dû leur expliquer qui on était, de quelle façon on comptait évoluer, échanger avec eux. Voilà, donc c'est un travail. On n'avait pas vocation au début à donner beaucoup de temps à ça. On était très très orientés vers notre activité, essayer de la faire vivre. Et puis aujourd'hui, voilà, on essaye aussi d'avoir une part proactive dans ce sens-là. Il faut savoir que on était là avant qu'il y ait le parc. On travaille en relation avec l'environnement. C'est grâce au milieu naturel qu'on arrive à produire ce qu'on fait. Donc, c'est pas vraiment des contraintes, c'est des contraintes, mais on a appris à travailler avec, on travaille avec, et il faut pas le prendre comme des contraintes parce que sinon tu fais rien. Donc après, par la suite, il y a eu la création du parc il y a quelques années. Pour nous, c'est dans la même démarche que ce qu'on fait, quoi. C'est dans la même éthique de ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. Nous, au contraire, notre but, c'est de protéger l'environnement parce qu'on est en relation directe avec et on dépend de l'environnement. Au niveau de l'urbanisation, on va dire que les Calanques sont préservés d'une urbanisation trop excessive. Et c'est ce qui moi qui me frappe dans les Calanques, c'est qu'à côté d'une grande ville comme Marseille, on a un littoral qui est resté très préservé et très naturel. J'ai passé pratiquement toute ma vie dans les Calanques, soit à terre, soit en mer, puisque j'ai beaucoup chaluté pendant des années, j'ai pêché, j'ai pratiqué toutes sortes de pêches dans les environs. Et pour moi, c'est un endroit béni des dieux, c'est un endroit magnifique. Qu'il faut préserver indiscutablement. Mais d'ailleurs, tu n'as qu'à voir le cadre autour de nous, ici dans la Calanque de Sormioux, c'est nous, les habitants de la Calanque, qui avons préservé. On n'a pas attendu ni le parc, ni les politiques pour préserver quoi que ce soit. C'est nous qui l'avons préservé. Enfin, nous, moi, mes parents, mes grands-parents, etc., etc. Et j'espère que mes enfants continueront. Mais il y a un patrimoine naturel qui est quand même remarquable. Hein, encore une fois, à côté de la deuxième ville de France, quand on voit l'héritage qui nous est laissé, hein, et ça, c'est grâce aux acteurs locaux, hein, ça, il ne faut pas leur enlever, aux usagers. C'est grâce à tout la population de La Ciotat, de Cassis, de Marseille, de la région, que ce patrimoine nous est laissé. Mais après, voilà, avec le développement de la fréquentation et de la population, il fallait aussi un outil pour gérer tout ça. La seule chose qui peut m'inquiéter, c'est justement ne pas prendre en compte. Par exemple, dans l'évolution du parc national ou enfin, de manière générale, ne pas prendre en compte justement
tous les humains, toutes les pratiques qui ont fait la qualité de ce territoire du parc national des Calanques, les mettre de côté. Là je pourrais m'inquiéter. Mais je sais que ça peut être long, c'est parfois difficile et contraignant, on n'a pas tous la même vision des choses, mais il faut renforcer l'approbation du parc national par le biais des différents acteurs locaux. Hein, et ça, si on fait ça comme ça, oui, je pense qu'on va pouvoir aller loin et ce sera bien. La sécurité, les promeneurs, les cavaliers, il faut faire attention que les endroits où ils passent les cavaliers, qu'ils ne se fassent pas piquer, etc., etc. On nous brandit tout des trucs de sécurité, alors que depuis 50 ans, moi j'y suis né dans les collines, d'accord ? Et vous comprenez, maintenant que c'est le parc, vous comprenez, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais par contre, Alteo, on leur a renouvelé l'autorisation de polluer. Voilà. Bon, on ne fait pas n'importe quoi, mais bon, on continue à envoyer des bouts rouges dans la mer. Ça, c'est pas grave. Par contre, les appels, c'est très dangereux. Le fait qu'il y ait la création du parc, quand même, ça s'oriente vraiment sur le côté nature, protection de l'environnement, tout ça. Après, il ne faudrait pas que ça soit un frein sur le développement économique de l'île. Pour moi, il y a un gros potentiel sur l'île. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Mais il ne faut pas que ça freine non plus le développement de certaines activités qui peut-être sont sur le port ou à côté. Mais voilà, il faut que ça soit respectueux de l'environnement, certes, mais il ne faut pas que ça freine le développement de l'île. J'ai des échos de personnes qui disent, voilà, depuis qu'il y a le parc, ça nous freine. Le développement de l'île, il va rien avoir, il va rien se passer de plus. C'est faux, ça peut amener d'autres du tourisme vert. Les gens sont intéressés par la nature, c'est vrai. Après, économiquement, c'est sûr que l'île va pas exploser, je pense. Mais bon, c'est bien parce que ça fait un juste milieu, quoi. C'est pas un territoire qui est vierge d'activité, ça c'est sûr. Hein, mais c'est pour ça qu'on crée un parc national. On crée pas un parc national pour préserver une nature qui a aucune pression, qui subit aucune pression. Hein. Au fin fond de l'Amazonie, où il n'y a aucune pression, ça a moins de sens. Si on a créé un outil de protection, c'est bien parce qu'il y a une nécessité de rétablir des équilibres, de gérer ce patrimoine, parce qu'il y a des pressions qui s'y exercent. Sinon, ça n'avait pas de sens de créer un parc. Donc... Le parc, il a des inconvénients. Par exemple, des contraintes. On a des contraintes au niveau immobilier. On ne peut peindre nos volets de la couleur que l'on veut. On ne peut plus changer la couleur de la façade. On ne peut plus rien faire, on est contraint à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la mer, il y a des zones de prélèvement, c'est-à-dire des réserves qui ont été faites. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de dauphins. Voilà. Et avant, on en voyait très peu de dauphins. Et pour vous dire, on n'en voyait même pas du tout. Moi, je n'ai pas souvenir gamin, on voyait des dauphins. De mettre en place un parc national dans cette zone, je trouve que c'était très important parce qu'il faut qu'on arrive à préserver cette terre. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des usages et des comportements qui existent dans ce parc depuis des milliers d'années. De dire à quelqu'un qu'on ne peut plus pêcher quelque part ou des générations de sa famille à pêcher, c'est quand même pas simple. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à un point où on est obligé de mettre des systèmes de réglementation parce que les humains, on est trop nombreux et puis on ne se réglemente pas toute seule. Comme je t'ai dit, à chaque fois on reprend la rue, on réapprend des choses. On doit reposer l'intérêt de la terre avant la nôtre. C'est pas simple. Mais c'est notre responsabilité.